Salut, ici c'est Rex Potam. Alors on entame aujourd'hui l'offertoire, qui est un morceau unitaire, j'ai envie de dire, mais en fait qui sera scindé en deux parties très probablement. Donc la première partie, le Rex Glorie, est en sol mineur. C'est une grande descente qui suit le texte vers sa descente aux enfers. Puis le Libera Eas en ré mineur est une deuxième descente suivie par la remontée vers la lumière tirée par l'archange Michael. Le quam olim, qui conclut cette première partie, est un gimel, donc c'est une technique d'écriture de la Renaissance, qui est volontairement très court. La deuxième partie, le ostia, donc qui sera certainement scindée de la première, commence par un échange instrumental en sol mineur, suivi de la reprise du thème par le chœur. Cette partie se termine par le fac eas en sol majeur, très lumineux, avant de reprendre le quam olim. Donc toujours le même gimel, c'est la même harmonisation. Je te souhaite une bonne écoute, mais avant ça, je te propose, si tu as des commentaires, de me dire comment tu ressens cet offertoire. Penses-tu que les thèmes des deux parties fonctionnent bien, même si à terme ce sera coupé en deux, ça m'intéresse de savoir comment les deux s'articulent, comment tu les ressens en tout cas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute façon j'y répondrai. Si ce morceau t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour continuer à suivre les aventures de ce grand requiem. Voilà, bonne écoute. Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, Libera animas omnium fidelium defunctorum.
Oh.